Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'album Les Aventures de Lucky Luke. 10e numéro intitulé L'Arche de Rentemplan. Sur un scénario de Jules et des dessins d'Agdé. Voilà. Très bel album cartonné. Contenant 44 planches. Et chose inhabituelle, avec un thème assez intéressant puisqu'il s'agit de la cause animale dans l'Ouest. Et c'est à la fois un album très drôle, mais aussi qui nous interpelle sur la condition des animaux à cette époque. Ils étaient souvent maltraités par les humains. Voilà. L'album est paru il y a peu de temps, c'était fin 2022. Il est vendu en grande surface et aussi chez les libraires au prix de 11,95 €, voire pour certains 12 € ou 12,50 €, ça dépend. Alors, on y voit très peu les Dalton, hein. Vraiment ils ne font qu'apparaître. C'est très très bien dessiné, hein. On sent qu'Agdé, au fil du temps, a eu une patte bien à lui, hein. C'est à la fois proche de Maurice, tout en ayant son propre style. C'est, à mon avis, enfin pour moi personnellement, je trouve que c'est un peu plus dynamique, hein. Ne serait-ce que dans les mouvements, l'action. Il y a un peu moins de gags quand même. C'est drôle, mais c'est pas... Voilà, on rigole pas tout le temps. C'est par à-coup. En tout cas, c'est très très bien dessiné. On passe toujours un très très bon moment. Voilà. 44 pages. On constate qu'Agdé a repris le flambeau de Maurice avec beaucoup de talent. Et il a aussi un sens du visuel très réussi, hein. Il sait très très bien caricaturer les personnages. Voilà. 10e album. L'Arche de Rentemplan. Il y a aussi un moment dramatique. Ah ouais. Il peut y avoir aussi un moment dramatique. Bon là, je spoil un peu. Jumper se fait tirer dessus. Et on sent un Lucky Luke avide de justice. Ça, j'avais jamais vu dans aucun album. Donc, pour le coup, ça m'a interpellé. Voilà. Heureusement, tout finit bien. Voilà. L'Arche de Rentemplan. Hein. Excellent album. Et à l'intérieur, vous trouverez aussi un petit bulletin si vous voulez faire un don à la SPA. Voilà. Donc, c'est à la fois utile. Voilà. L'Arche de Rentemplan aux éditions Lucky Comics. Je vous le conseille, c'est vraiment un excellent opus.